Il y a deux jours, nous recevions Eye of the Liger. Ce soir, c'est au tour du jumeau maléfique. Ou pas. Et puis Bernard, vous comme moi, nous ne nous lassons pas de cette belle bio que Greffel nous offre sur Peau de Bête. C'est donc avec plaisir que je vais vous laisser la compter, histoire de ce groupe à quatre pattes à crinière d'argent. Alors Greffel est, selon les textes qui composent l'Edda poétique et la Volsunga saga, dans la mythologie nordique, un cheval gris, fils de la propre monture à huit jambes d'Odin, Sleipnir. Il est capturé puis chevauché par le héros Sigurd grâce au conseil d'un vieil homme qui est en fait le dieu, Odin déguisé. Ce cheval est ensuite mentionné durant plusieurs épisodes où il accompagne Sigurd dans ses aventures. Greffel possède des pouvoirs merveilleux, une grande force ainsi qu'une remarquable intelligence. Il le prouve notamment en franchissant le cercle de flammes qui entoure la Valkyrie Brunhilde et en refusant de se laisser chevaucher par un autre que son maître, puis en pleurant la mort de Sigurd auprès de Gurbrun, la femme de celui-ci. Greffel est donc présent ce soir. Ouais. Merci, bonsoir. Ils étaient présents aussi au dernier 106 Expérience, un 106 Expérience spécial parrainé des studios en compagnie de Balaras et de Old Battlefield Entertainer. Ils ont joué sur la scène du club. On écoute un extrait de ce concert et après on leur pose quelques questions. Extrait du concert de Greffel du dernier 106 Expérience. Ce morceau s'appelle Valhalla, apparemment. Oui, alors cet animal, Greffel, oui. Mythologique, comment est-ce qu'il a évolué? Comment est-ce qu'il a changé? En un an, là, depuis votre dernière venue, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris de la barbe. Déjà. Au niveau de la batterie. Ouais, entre autres, changement de line-up. Donc, du coup, on a pris. Moi-même. Voilà. Et donc du coup... C'est un nom en suédois aussi, moi-même ou Moi-même, c'est mon nom en suédois. Je suis norvégien. Ah, okay. La Suède, c'est des mecs qui nous ont colonisés salement. Enfin, c'est vrai. Parfait. Donc voilà, donc il a simplement, donc en un an, ça a évolué, Greffel, forcément. Vous avez, évidemment, donc du coup, en changeant de line-up, ça veut dire qu'on, vu qu'on est un groupe relativement... jeune, ça veut dire qu'on reprend un peu pas au début, mais bon, ça veut dire que c'est
une sorte de retour en arrière, mais en même temps, ça nous a aussi permis de savoir vraiment par où vraiment commencer et comment s'établir, on va dire, plus, de manière plus rigoureuse, on va dire, et trouver un peu plus notre... notre direction, quoi. Donc c'est, ça veut dire quoi, trouver notre direction? Ça veut dire trouver un son? Ça veut dire réécrire des morceaux? Ça veut dire se comporter sur scène? Ça veut dire quoi? Trouver un son, et ça veut dire aussi comprendre un peu les erreurs qu'on a pu faire. Même si, bon, enfin, c'est pas vraiment des erreurs, entre guillemets, mais bon, ça permet aussi d'étoffer et de savoir vraiment là où on veut aller, quoi. Même si on sait jamais vraiment, même si on veut absolument pas avoir une direction et vraiment savoir où on veut aller. On sait vraiment ce qu'on veut pas faire, c'est sûr. Après, ce qu'on veut faire, nous, c'est... De toute façon, on n'a pas de limite, en fait, voilà, par rapport au style. Ce qui est important, c'est d'être le plus carré possible, d'être le plus rigoureux dans sa démarche. Et après, ça, chercher un ça son permet vraiment... d'aller où on veut, quoi. C'est ça qui est cool. Ça a restructuré, quoi. Ouais, bah, ouais, carrément. Puis se forger aussi, peut-être, une identité. On en avait déjà parlé. Voilà, groupe rouennais de rock. Vous essayez de vous affranchir, en tout cas, de toute cette, enfin de cette culture rock rouennaise qui existe certes, mais il n'y a pas forcément de filiation directe. Bah non, non, ça dépend avec qui. On évite la filiation. Oui, bah, ça dépend avec qui. Après, bah après c'est clair qu'on appartient à une scène actuelle et on a il y a quelques groupes de Rouen on va dire finis maintenant qui bon, qu'on respecte et qui ont fait qu'on était là, enfin qui ont été nos premiers concerts et qui sont cool, mais bon, on n'a aucune envie de faire ce qu'ils ont pu faire, on s'en fout, quoi. Mais après, c'est vrai que là maintenant, on commence à être plein, à savoir où on veut aller et à se pousser chacun le plus loin possible dehors, quoi. Parce que bon, c'est jamais simple, on sait jamais vraiment comment s'y prendre, quoi. Donc là, on est pas mal de groupes. De toute façon, voilà, c'est ce que avec l'interview de la semaine dernière avec Eye of the Liger, ça a été plus ou moins le même son de cloche, quoi. C'est que on est plein de groupes, mais en fait, c'est pas du tout un collectif, ça a rien à voir. Mais bon, c'est une scène, une sorte de culte, voilà, une scène, une culture avec des jeunes de la génération. Même génération et tout ça, et forcément, enfin, il y a Thomas de Grand Gourou qui monte aussi Gourou Disque. Est-ce que par exemple on est tous les deux. Vous êtes aussi, vous faites partie. C'est moi le président, même si je fais rien. C'est... Voilà. C'est qui le trésorier? C'est moi, je crois. Non, 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 il n'y a pas de trésorier, en fait. Oh, bah normalement, si. Enfin, c'est Thomas. D'accord. Dit-il en toute urgence. Mais oui. Il y a un secrétaire aussi. On fait des conseils d'administration. La scène locale, on va dire, avec Gourdis, justement, ça nous permet d'organiser des concerts et de faire venir pas mal de groupes chaque année, au final, depuis pas mal de temps aussi. Mais... Enfin, le but, c'est pas forcément, c'est pas vraiment une asso qui a été créée vraiment pour faire des concerts comme il y a pu en avoir avant. C'est une asso qui a été créée pour un peu, c'est pas vraiment, enfin ça a pas été créé pour ça, mais globalement, comment ça a évolué, c'est un peu une bannière derrière qui on est quand même un peu tous, quoi. Il y a un état d'esprit là-dedans, quoi. Pouvoir produire les petits groupes qui émergent de Rouen, par exemple. Enfin, comme disait Thomas, on a participé à la sortie de pas mal d'albums et tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et voilà. Enfin, mais par contre, le truc, c'est ça, c'est qu'on va jamais faire vraiment un projet de A à Z. Mais par contre, on fait pas mal de co-prod, quoi. Ouais. Et puis même si artistiquement, tout le monde se reconnaît pas forcément dans les projets des autres, il y a cet esprit commun qui fait que vous avancez aussi ensemble et que voilà, ça semble tellement cohérent que vous alliez dans la même direction en faisant des choses différentes, quoi. Ouais, on se soutient aussi. Des styles qui sont cousins aussi en général. Ouais. C'est jamais. Voilà, c'est pas parce qu'on prend pas part au projet parce qu'on a d'autres choses à faire, entre guillemets, enfin d'autres envies plutôt. C'est plutôt que ça nous plaît, quoi. Au 106 expérience, donc d'il y a quelques semaines, vous étiez quatre. Il y avait un bassiste en renfort, oui. Parce que Quentin, vous étiez blessé à la main. Qu'est-ce que ça a apporté au set? Qu'est-ce que ça a apporté au set? Ouais, ça a apporté. Clavier, ouais. Bah, ça fait ça, c'était pas prévu au départ, le clavier, non. Il avait jamais été. C'était prévu pour le studio. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est bien. Mais pas pour le live. Ça fait qu'on en a chopé un à la hâte, que du coup, j'ai commencé à dégrossir les parties qu'on pourrait mettre dessus, vu que bon, j'ai dû m'y pencher pendant un mois pour préparer le truc. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a aidé pour ça au niveau pour l'enregistrement. Ça a été du coup du travail que j'aurais pas forcément pris le temps de faire à ce niveau-là. Enfin. Autant, bah du coup là j'ai pris le temps de le faire parce que j'avais pas trop le choix. Et puis Goubi avec qui
on jouait, c'est pas n'importe qui. On n'a pas vraiment. Enfin, on a pris, oui, on a pris un mec pour nous remplacer, mais on a sorti un vinyle l'année dernière. En fait, c'est un split. Tours. Ouais. Et du coup, le split, bah, c'est lui, c'est son projet musical solo, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment cohérent. De toute façon, pouvait pas vraiment y avoir d'autres personnes. Enfin, il a je parle pas techniquement pour. Et ça vous a pas donné l'idée peut-être de l'ajouter au projet, pas forcément. Bah. Après c'est un projet à trois. C'est ce qui est bien, c'est qu'il avance vite. Par contre, on va forcément refaire le truc avec lui. Enfin, c'est voilà. Presque sûr. Quoi. C'est, ça nous a apporté plein de trucs. Parce que faire un truc, un concert un peu pas, événement pour nous, on va dire. Enfin, faire quelque chose qui nous change, qui nous intéresse, parce que c'est quand même super cool. Enfin, moi, je trouvais ça. Cool quoi, et pas forcément. Par contre, ça sera pas sous la même configuration, c'est certain, parce que ça sert à rien. On l'a fait une fois, ça allait quoi. Bon, évidemment, c'était pas parfait parce qu'on avait que deux semaines pour le faire, ouais. Donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Bon, ça voilà quoi. Il a fait un boulot super cool parce qu'en 15 jours, avec son boulot, etc., enfin voilà. Et donc, mais ouais, on va essayer de refaire le truc avec lui. En plus, il fait tellement de choses et il sait faire tout quoi. Donc, on va forcément trouver les trucs à faire avec lui et d'autres personnes, on verra ce que ça. Ouais. Et sinon, le rassemblement des deux Normandies, ça vous évoque quoi? Un territoire viking plus puissant? Ben en fait, non, la Normandie, c'est vachement, c'est pas du tout ce qui. Moi, je viens du Pays de Caux, en fait, et le Pays de Caux, donc c'est le patois, le cauchois, c'est le seul patois en Europe qui reprend des codes grammaticaux du norvégien maintenant. Donc c'est vachement bien plus. Si on veut rentrer dans un délire scandinave, n'importe quoi, autant carrément se référencer au Pays de Caux, parce que là, on arrive, il y a là, des c'est arguments. Régionalisé, vraiment. C'est-à-dire que vous allez pourquoi pas chanter en cauchois un de ces quatre? Non, j'en doute. Ça m'étonnerait. J'en ai malheureusement, j'ai mes certains doutes sur ce. Par contre, je dis comme ça a de l'allure. Ah. Dis comme ça a quand même de l'allure. Non, mais. Il faut essayer. Ah, je ne me risquerai pas. Non, ce... non. Hein. Bon, après, un poème ou un truc. Hein, ouais, je sais pas. Non, enfin bon. Non. Je sais pas, moi, quand je me promenais chez mes parents, que je voyais des vieux parler en cauchois, c'était quand même très spécial. Hein. Ouais, c'est, ouais. Ça a quand même une allure. Bon, hein. C'est ouais. Assez particulier. Ouais, c'est sûr. Derrière le côté viking, il y a aussi tout le côté culture rock, beaucoup plus noir, beaucoup plus métal. Et, ouais. Et ça, c'est quelque. Enfin, c'est aussi des racines que. Que vous revendiquez d'une certaine façon. Bah, carrément. Moi, le délire, l'approche black metal de la musique, c'est quelque chose de fou. Que ce soit au niveau de la Norvège ou au niveau de la Californie avec le transcendantal, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est tout le temps des trucs, c'est des mecs, ils ont réfléchi pour rien, pour des trucs. Mais bon, s'ils n'avaient pas fait ça... ça apportait des choses, ça sert à rien, ouais. Mais ça apporte quand même plein de trucs. C'est un transition. Non, après, c'est que c'est. Ouais, c'est resté en manière de même voir. Les mythes du black metal sont pas riches, c'est sûr. C'est une belle approche après. Ben, je sais pas, mais elle est vraiment. Une, en tout vraie, cas, une vraie approche puis, artistique. Oui, une belle approche, c'est mal choisi. On, ouais. Peut même, on peut même relier ça à Rouen quand on veut vraiment. Quand on disait qu'on n'a vraiment aucun héritage de ce qui peut être rouennais. Enfin, le black metal, ça a été créé parce qu'ils trouvaient que le death metal, c'était vraiment nul, c'était trop commercial. Bon, ça, j'en sais rien, le death metal, j'aime pas ça, mais. Bref, c'était vraiment créer un truc, quelque chose de dissident, tu vois. Et c'est ça qui est, c'est ça que j'aime bien. Après, c'est clair qu'on n'a pas du tout. Enfin, c'est clair qu'on n'est pas, on n'est pas aussi zinzin que pouvait être. Tant mieux, j'ai envie de dire. Oui. Parce que j'ai pas envie de mourir forcément dans deux ans. C'est pas forcément mon but à tout prix. Passer 21 ans en prison. Passer 21 ans en prison, c'est pas cool non plus. Non plus quoi. Mais. Bon, l'actualité. Alors, c'est quoi du coup? Vous en êtes où? Vous enregistrez? Qu'est-ce qui se passe? Enregistré au mois de mars, début mars. Là, on va enregistrer un album. Enfin, j'espère que ce sera un album. Ce sera un album, de manière certaine. Mais peut-être voilà, trop de donc morceaux, là, limite, hein. On travaille pas mal dessus. Oui, de toute façon, c'est le seul truc qu'on a vraiment d'important à faire, quoi. Parce qu'on a quelques concerts qui vont se faire aussi, mais pas tout de suite. Et de toute façon, c'est pas la priorité. Enfin, quand tu veux tourner, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un truc solide. Si on veut toucher des trucs un peu plus. Et le parrainage, alors il va vous permettre quoi exactement? Bah, déjà, ça nous permet de répéter beaucoup plus. De préparer l'album. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, d'ailleurs, pour ma part, je remercie le 106. Ouais, de toute manière, parce que. Le son, c'est quelque chose qui vraiment nous sert.
Ça aide. Moi aussi. Mais nous aussi, ce qu'on va faire, ça nous permet aussi d'avoir des résidences dans le club aussi, pour ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des projections ou des trucs, on ne sait pas, on verra. Mais le fait de pouvoir se mettre en scène, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne va pas mettre des caps et puis... Permet de tout travailler, ça permet de travailler la scène, ça permet de préparer le studio de manière sereine, sans compter les heures, forcément... On peut mettre en place tout ce qu'on veut mettre en place sans de manière vraiment sereine. Bosser là côté du groupe avec des gens qui sont capables de nous aiguiller sur ce qu'on maîtrise pas quoi. Ce qui est quand même assez intéressant quoi.